Nous avons trois pays stratégiques pour Bonjour du Monde. L'Allemagne, on compte sur toi. Les États-Unis et le troisième pays, notre partenariat. D'autres pays, on continue, qu'on a oublié. L'Ouzbékistan. Anna, l'Ouzbékistan. Elena, la Macédoine, notre nouvelle ambassadrice de Macédoine. Bon, la Grèce est représentée avec beaucoup, beaucoup de monde, hein, quand même, il faut le dire. Il faut dire que c'est le deuxième pays de la Grèce, c'est la Côte d'Azur, il faut le dire. Oui. La Géorgie, quand même, je le dis, je le redis, parce que la Géorgie, c'est un pays qui a... La première personne, c'est moi, quelqu'un dont je ne peux que mettre en avant les réalisations, parce que tout simplement, je craque pour Moya, je craque pour Patrick Moya, je craque pour ce peintre qui a un imaginaire débordant, qui aujourd'hui est très connu en Corée du Sud et qui anime une grande exposition. Honnête, mais il faut peut-être être un peu au fond, il y a quelques petits personnages qui se baladent. Quand il traduit, ils sont encore plus beaux. Donc, vous n'avez pas préparé les choses, je pense à Henri Concasse. Il est où, Henri? Il s'est caché? Il est là, il est devant. Donc, Henri et Patrick, vous allez faire un petit duo ce soir, expliquez-nous. Parce que je me suis toujours demandé ce que pouvaient penser les étrangers quand on leur parle avec certaines de nos expressions. Monsieur, levé du pied gauche, c'est pas le jour. Faut que je me boive un petit noir. Tous les matins, je me fais un petit noir. Pas vous ? Pas que j'ai l'air trop coincé. J'ai pas non plus rendez-vous avec le pape. Petite douche rapide. Rasé de près. Où sont les clés de la voiture? Ah, elles sont là. Bah écoutez, en voiture. Mais il pleut des cordes. Et j'ai même pas de pépins. Oh, on peut s'ennuyer comme un rat mort. Enfin, c'est pas grave. Après, on va déjeuner ensemble. Et le dessert? Le dessert préféré d'Ève? Une pomme. Non, non, moi c'est décidé à pas exagérer. Vous savez ce que je vais faire? Je vais rentrer chez moi parce que quand même, faut pas jeter mémé dans les orties. Hein. C'est une journée bénie des dieux. Merci. C'est Patrick Moya, l'illustration. Alors, on va commencer. Alors, ça, c'est une version bêta. Donc, c'est-à-dire que c'est une version qu'on a développée, qui fonctionne de A à Z pour une ville. Et là, la ville, c'est Paris. Donc, on va commencer. On clique sur « Partir à Paris ». Et là, on charge. Voilà, c'est la petite terre, ça charge. Et on lance Francophonia. Donc, le petit Moya, il arrive à Paris. Et qu'est-ce qu'on a quand on arrive à Paris? On a une petite vidéo, présentation de cette ville. Donc là, c'est une vidéo qui est sur Dailymotion et qui nous présente, qui a été filmée par Yann. Donc là, on a vu une petite transformation. Le moyen, il évolue et il peut ramasser des bonus. Il doit éviter des bouches d'égout. Donc c'est très, très, très périlleux. Alors je vous décris pas les manipulations de notre Cachorrito favori pour éviter les bouches d'égout et les panneaux de travaux. En fait, il suffit d'appuyer sur la touche espace. C'est assez simple, hein, somme toute. Et donc là, on est arrivé à la Tour Eiffel. Donc comme je vous ai dit, le principe, c'est d'arriver à chaque fois sur un monument et de découvrir soit le monument, soit de perfectionner votre connaissance du français. Donc là, nous sommes sur la Tour Eiffel. On a quatre. Tu peux tirer une baguette sur le... Non. Il ne veut pas tirer la baguette. Là, c'est compliqué, j'avoue, il fallait sauter, tirer la baguette. Super, merci, voilà, il a explosé. Le truc de chantier, super. Oh là, c'était compliqué. Là, on s'en gamer. Alors, pourquoi on a mis des bouches d'égout et des complexités? Et on va pouvoir évoluer comme ça, dans Paris. Tu peux éviter, s'il te plaît, les bouches d'égout? Merci. Ramasse le bonus, là, mais... Bon.
Voilà, alors là, Girardot, alors, je vous explique quelque chose. Ne touche à rien, Girardot. Alors, je vous explique quelque chose. Avant que Girardot commence, il m'a demandé si Divi, c'était sûr. C'est bien, c'est mieux. Voilà, là, Girardot est bien lancé. Bon, il rate les bonus, mais en tout cas, il évite les obstacles, c'est bien.